Les plus de 150 participants du second rallye des entreprises du bassin d'Arcachon, organisé par le Club Débat et le CAC BN avec Mios Entreprendre, se sont retrouvés samedi matin, salle des fêtes à Biganos, pour un échauffement en fanfare et dans la bonne humeur. Les équipages, tous plus motivés et déguisés les uns que les autres, sont ensuite partis à la découverte des entreprises de tout le territoire. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition du rallye des entreprises qui est organisée avec Débat et le CAC BN, groupe, donc des adhérents des deux clubs, mais pas seulement, parce que c'est ouvert à tous. Et l'objectif, c'est de visiter nos entreprises du territoire de façon très sympathique, conviviale. Voilà. On est là aussi pour rigoler, pour se détendre, parce que les chefs d'entreprise ont aussi besoin de se détendre. C'était la volonté de faire un événement qui casse un petit peu les codes. Donc c'était pour faire découvrir de façon sympathique les entreprises et les compétences du territoire, créer en fait un buzz mais à l'échelle de l'ensemble du territoire et de créer en fait un événement qui soit partagé à la fois au nord, au sud et au Val-de-l'Air. On voulait vraiment créer un événement sur le territoire et avec les acteurs du territoire, à savoir les clubs d'entreprise, mais un événement qui soit ouvert en fait à l'ensemble de la population. Aujourd'hui, tout le monde peut s'inscrire, des étudiants, des particuliers, tout le monde peut s'inscrire en fait à ce rallye et découvrir en fait des entrepreneurs, faire des rencontres et découvrir des entreprises. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une première et pour mes collègues aussi. Ce qui m'a amusé, c'est le fait de rencontrer plein de gens que l'on ne connaît pas, de concourir quand même parce que nous, on est des gagnants, des gagneuses et des gagnantes. Donc voilà. Et puis découvrir l'autre côté du bassin où l'on ne va jamais parce qu'on n'a pas le temps. Babette m'a appelée, elle m'a dit « Viens, il y a une journée rallye avec plein de monde super sympa ». Donc j'ai dit « J'arrive tout de suite ». Voilà. Et donc, fière de représenter mon équipe avec Babette et puis en tenue de jockey parce que c'est notre passion. Pour certaines, c'est le métier. Moi, c'est pas mon métier. Je suis amateur, mais je suis passionnée depuis plus de 30 ans. Je fais partie de l'écurie de Madame Bernard, qui m'a proposé de venir participer au rallye. J'ai tout de suite accepté parce que ça peut être un enjeu pour nous et puis représenter l'écurie de Madame Bernard. On a un cheval à l'entraînement chez Madame Bernard et donc elle m'a proposé de participer. Voilà. Je suis entrepreneuse et donc je comprends l'enjeu. En fait, c'est dans la continuité de la Coupe du Monde. On a fait tous les matchs ensemble, donc maintenant on continue. Nous participons à ce rallye aujourd'hui pour découvrir les entreprises du Sud-Bassin. Donc c'est la deuxième édition, nous avons participé à la première. Et donc nous avions décidé de poursuivre cette aventure avec toute l'équipe de copains d'Andernos. Une équipe de copains, mais tout d'abord des entrepreneurs, des gens dynamiques, des personnes dynamiques qui sommes sur le territoire depuis plusieurs années. Donc voilà, le fait de découvrir l'ensemble des entrepreneurs de nos collègues du Sud-Bassin, parce que nous sommes du CAC-BN, le Nord-Bassin, est toujours intéressant de voir ce qui se fait à l'opposé, même s'il y a toujours une petite, une petite disparité entre les deux, voilà, les deux régions. On s'apprécie énormément et nous on prend beaucoup de plaisir. Et croyez-moi qu'on fait aussi, on œuvre toute l'année pour que nos entreprises soient pérennes, sereines et que nos territoires vivent de nos emplois et des personnes qui vivent sur ce territoire. Alors moi je suis le mouton noir, je suis vraiment là pour m'amuser et pour manger un max, voilà. C'est vraiment cool. Eh mais si, qu'est-ce que c'est? Eh vos les couilles. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça, c'est encore quelques fourberies. Qu'est-ce que c'est? Des fourberies de mage. Oh, viens chercher les épées. Non, pas se passer.